Bonsoir à tous et bienvenue au 16h. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers le programme national pour la santé des populations nomades, insulaires et des zones d'accès difficiles a organisé hier à Mani, dans la province de Hadjar Lamis, une rencontre transfrontalière entre les districts sanitaires de Mani et ceux de Manda du Cameroun. Ces assises présidées par le sous-préfet de Mani et qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, en pour but de mettre en place un mécanisme innovant permettant aux districts transfrontaliers de Mani et Manda de prendre en charge et surveiller les maladies dans un élan de synergie entre les deux pays. Varé l'a dit. Structure placée sous tutelle du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, créée à l'effet de préserver la santé animale et celle des populations nomades, le programme national pour la santé des populations nomades, insulaires, des zones d'accès difficiles, n'est pas resté insensible face à la pandémie de Covid-19. Pour une meilleure riposte, le gouvernement et ses partenaires mutualisent leurs efforts orientés vers l'amélioration des conditions sanitaires des bétails et des populations nomades. À cette rencontre transfrontalière entre les districts sanitaires de Mani au Tchad et ceux de Manda au Cameroun, les participants échangent sur l'harmonisation des textes et règlements sur la transhumance et la gestion des ressources naturelles au Tchad. C'est une rencontre transfrontalière entre le district de Mani au Tchad et celui de Manda au Cameroun pour élaborer un mécanisme de collaboration qui puisse nous permettre de part et d'autre non seulement de contrôler ou de surveiller la Covid-19, mais aussi de prendre en charge les éventuels cas qui se présentent de part et d'autre des frontières. Le mouvement des nomades est aussi source de contamination de la maladie à coronavirus. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique et celui de l'élevage optent pour des stratégies innovantes. Nous avons eu à organiser des groupes de travail. Chaque groupe a eu à se pencher sur un thème, notamment l'identification des zones de traversée, les zones de regroupement de part et d'autre. Tels que le marché, les points en tout cas qui regroupent les transhumants aussi bien au Cameroun et au Tchad. Et donc cela nous permettra d'orienter nos actions vers ces points, soit des zones déserts de stationnement ou encore des couloirs de transhumance de ces populations-là. Le sous-préfet de Mani, Youssouf Brahim, s'est dit réconforté du fait du choix porté sur sa circonscription pour abriter cette rencontre d'une importance capitale. L'autorité administrative de poursuivre que le gouvernement accorde une grande importance à la santé animale et celle des populations nomades. Le maréchal est un titre honorifique attribué à un homme en fonction de son parcours militaire. Pour service rendu à la nation, Idriss Déby Itno a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad. Que disent les tests, surtout le fondement juridique? Suivez plutôt la réflexion de Doba Robert. L'élévation du président de la République à la dignité de maréchal titre son fondement juridique dans l'ordonnance numéro 006/PR du 28 avril 1992 portant le statut général des militaires. Cette ordonnance signée à l'époque par le colonel Idriss Déby détermine les dispositions relatives au titre de maréchal. C'est une distinction honorifique dans la hiérarchie militaire générale. L'ordonnance de 1992 est un instrument juridique qui classifie l'ordre militaire. Les principales catégories de gardes répertoriées, les soldats, les sous-officiers, les officiers subalternes et les officiers généraux. Ainsi, l'article 006 de cette ordonnance dispose que le titre de maréchal n'est pas un grade mais une dignité. Le titre de maréchal est consacré par l'ordonnance 006/PR/92 du 28 avril 1992. Cette ordonnance porte statut général des militaires. Et plus précisément, l'article 6 de cette ordonnance dispose clairement que le titre de maréchal n'est pas un grade, mais une dignité. Donc, c'est à bon droit que les députés ont décidé d'élever le président de la République à la dignité de maréchal. La représentation nationale dans son entièreté, je veux dire avec à leur tête le président de l'Assemblée, tous les groupes parlementaires, mieux la majorité représentée par
le président, le secrétaire général du MPS, Mamadou Zenbada, accompagné de chefs de file de l'opposition, ont effectué un déplacement pour aller témoigner à notre force de défense et de sécurité à travers, bien évidemment, le chef suprême des armées, le président de la République, leur fierté. Cette distinction du président de la République à la dignité de maréchal consacre son investissement personnel et son sens de sacrifice pour la défense de la patrie. Au-delà de l'Assemblée nationale, l'élévation du chef suprême des armées à la dignité de maréchal du Tchad répond aux profondes aspirations et souhaits de ses compatriotes. C'est un fait inédit. Un fait inédit parce que pour un homme qui a eu un parcours inédit, pour ne pas dire exceptionnel, le président de la République a consacré toute sa vie à la défense de l'intégrité de notre pays, à la défense de la sécurité du Tchad, à faire en sorte que le Tchadien soit fier de son pays, à faire en sorte que le Tchadien soit admiré. Aujourd'hui, toute opinion confondue, on reconnaît au président le sacrifice qu'il a eu à faire. Selon le praticien du droit, cette distinction ne doit avoir aucun impact financier sur le budget de l'État. Le président de la République a été élevé au grade de maréchal, il va être payé 1 milliard par mois. Est-ce qu'il en a besoin? L'argent n'a jamais été la préoccupation du président Idriss Déby. Pour tous ceux qui le connaissent, ça n'a jamais été son objectif. Son objectif, c'est la fierté tchadienne, le bien-être du Tchadien, le rayonnement de son pays. Oui, il est fou de son pays. Il aime son pays et il aime son peuple. C'est ça qui doit nous habiter. Il n'y a rien d'autre qui puisse encore changer dans sa vie. Il est formaté pour la défense du Tchad, pour le développement du Tchad, et il est ainsi fait. Et on doit l'accepter comme tel. Donc, lui témoigner cette infime reconnaissance est le minimum que le peuple a décidé de lui consacrer. L'élévation à la dignité du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno nous incombe au grand chancelier à qui il revient de prendre toutes les dispositions nécessaires. Indépendant le 11 août 1960, le Tchad a axé son développement économique sur l'agriculture et l'élevage. Mais avec l'avènement du MPS au pouvoir, le président de la République, Idriss Déby Itno, a libéralisé l'économie nationale. L'exploitation du pétrole est venue donner un véritable coup de pouce à cette économie. Kanouba Théophile. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Première colonie française à rallier la France libre. En 1920, le Tchad est indépendant le 11 août 1960. Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Tchad privilégie la mise en œuvre de ses terres fertiles et son cheptel, faisant ainsi de l'agriculture et de l'élevage les principales activités de l'économie nationale. Avec un sous-sol très riche, le Tchad mise sur la culture du coton et l'élevage pour booster son économie à travers la création des deux grandes entités industrielles, à savoir la Coton Tchad et les abattoirs frigorifiques de Farcha qui permettent au pays d'exporter la fibre du coton tchadien très appréciée en Europe et en Asie et la viande. Cependant, les conflits armés qui ont jalonné l'histoire du Tchad ont quelque peu ralenti son développement socio-économique. Il a fallu attendre le 1er décembre 1990 avec l'avènement du mouvement patriotique du salut, MPS, sous la conduite de son président,
fondateur Idriss Déby Itno, pour que le vent de la démocratie souffle sur le Tchad avec ses corollaires de liberté. Avec la liberté d'expression et d'action, le président Idriss Déby Itno a offert la chance aux hommes d'affaires de mener sans inquiétude leurs activités. L'exploitation du pétrole en 2003 a été un véritable catalyseur du développement économique du pays. Avec l'exploitation du pétrole, les plus hautes autorités ont entrepris les constructions des routes pour faciliter les échanges intérieurs et le mouvement des personnes, des immeubles pour abriter les différents ministères, développer le secteur de l'agriculture et de l'élevage à travers la mécanisation et l'industrialisation, et surtout renforcer les sources d'énergie, favoriser les échanges avec les pays voisins et amis. Convaincu du climat propice des affaires au pays de Toumaï, ces États ont implanté, voire délocalisé leurs entités industrielles en N'Djamena et dans le Tchad profond. Outre ce renforcement de coopération économique, l'exploitation du pétrole à travers le renforcement des sources d'énergie a motivé les jeunes à investir dans les activités commerciales. La floraison des petites et moyennes entreprises en N'Djamena et en province est la conséquence logique de l'exploitation de l'or noir et surtout de la volonté du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État, à travers la libéralisation du secteur économique. C'est avec cette réflexion de Kadnouba Théophile que nous bouclons ce Flash Info. Merci à toute l'équipe qui fait un travail formidable derrière l'écran que vous ne voyez pas. Merci à vous aussi, téléspectateurs, de votre fidélité. On va prendre bien soin de vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, toujours sur Télé-Tchad. Au revoir.